peu raison quand même. Parce que on va pas se lever un matin et on nous dit « Ok, voilà, tel est mort, nous on le connaît, nous l'avons enterré, on a fait ses obsèques. » Et 5 ans après, tu es sur le plateau, tu le vois, il est invité, médecin. Mm-hmm. Ouais. Moi, je pense que... Vanga, la nouvelle Galilée. Non, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait comprendre. L'évolution de la... On a eu ça avec Victor Essengue, non? Voilà. Il était mort. Même Marcel Vondo II. Il est mort, il est résisté. Non, enfin, il y a un bonhomme, Victor Essengue, tu te rappelles pas de cette histoire? Oui. Je demande que, est-ce que la personne était d'ailleurs, elle est revenue? Je sais pas. Moi, c'est au niveau de la mort. J'avais vu la série. Ah, si vous parlez des séries des revenants. Et maintenant, je pense que l'évolution de la science est claire. Quand nous, on allait à l'école, pour ceux qui ont fréquenté comme moi, qui ont fait l'école publique de Mbalakad, il y avait un cours de géographie où on nous disait que la Terre tourne autour du Soleil. Maintenant, essayez de faire un exemple. Tournez un peu comme ça vous-même. Tournez. Vous allez voir que vous commencez à voir flou. Et maintenant, quand la Terre tourne autour du Soleil, quand on parle des affaires de réchauffement climatique, les gens n'entendent pas. Ça brûle la couche d'ozone. La couche d'ozone où il y a l'oxygène, que quand tu inspires, ça fait foncer ton cerveau. Quand la couche d'ozone se dégrade, les gens commencent à avoir des problèmes avec leur réception. Maintenant, je pense qu'il faut un reboisement minutieux et méticuleux de nos espaces verts pour que la terre commence à tourner normalement et que l'oxygène ne se dégrade plus. Parce que tout ça, c'est la chlorophylle des arbres. Parce que le déboisement des mentalités, le stress qui est cultivé et qui est semé, qui est en train de germer dans notre société, fait en sorte qu'il y ait un engrenage systématique qui fait en sorte que les gens commencent à tomber. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit que tu donnes... C'est un petit tour de table. Hein. Je sais. Tu donnes 15 000, on te donne 5 millions. Tout ça, c'est bizarre. Tu pars comme ça, on dit qu'il y a la mère de Jésus qui est sortie de la maison de quelqu'un, il prend les seins à monter aux gens. Tout ça, c'est bizarre. Vous voyez comme ça là que et tout ça, et quelqu'un disparaît comme ça, on parle de l'arrêté au Nigeria, il est passé par tout ça. On a serré pour... Moi, j'en ai marre.